Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Transport Fever 2. On se retrouve au niveau de ma grosse agglomération avec d'une part Brignoles, de l'autre part Bordeaux, au milieu Châteaubriand que j'avais rajouté exclusivement hein, afin de d'un petit peu dynamiser la zone, vous voyez, en mettant en fait un peu plus d'habitation vu que Brignoles s'étendait aussi et surtout vers le nord, et là on va dire dans autour des deux gares, quoi. Une gare RER ici et là, la grosse gare de correspondance. Bon, alors du coup, nous, à l'origine, ce qu'on avait fait, parce que là, on va en fait modifier la ligne de RER hein, qui permet donc de relier Nice à Bordeaux, on va la modifier. À l'origine, qu'est-ce qu'on avait fait? Déjà, on avait mis la gare de Brignoles ici, telle qu'on la connaît, une bifurcation. Il n'y avait pas cette gare hein, que j'ai rajoutée après. Et on avait mis cette gare ici, donc Aéroport International de Bordeaux, qui faisait correspondance avec le tramway. Tramway qui servait à relier donc les deux terminaux de mon aéroport. Et ensuite, on allait ici en direction de Sénon et ici en direction de Bordeaux-Saint-Jean, le terminus donc de notre RER qui relie Nice à Bordeaux. Alors, la gare de Sénon, elle, est très fréquentée, c'est pas la question. La question, c'est surtout, on va dire, en fait, ici, vu que j'ai rajouté une gare et la gare de l'aéroport qui n'est plus très bien placé. Donc on va un petit peu en fait refaire ici notamment le terminus du tram et un petit peu en fait tout le bazar au niveau de cette grosse agglomération. On va donc supprimer directement cette gare et alors on va pas faire une bêtise parce que sinon ça va supprimer les trains. Voilà, surtout que ça c'est un train de marchandise, donc on va supprimer les rails. Voilà, et donc là on peut supprimer cette gare. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire donc ici après la gare de Brignoles? Au lieu de monter, vous voyez ici en fait on a un saute-mouton. On a un saute-mouton, donc avec une voie là qui passe en dessous et l'autre du coup qui passe à côté. Ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre, en fait on va continuer de descendre, là on va poursuivre la descente et passer en souterrain pour mettre une gare par ici au niveau de l'usine en souterrain. Comme ça là on pourra relier en fait les deux côtés de la ville et faire une grosse agglomération et plus qu'il y ait les rails qui traversent et que ce soit une vraie galère. Et on va mettre du coup la gare de l'aéroport également au niveau du souterrain, donc à peu près en dessous de l'aéroport. Et ensuite on remonte ici, on remontera au niveau de la gare de Sénon. Donc ici au lieu d'aller à droite, on ira à gauche. Voilà. Voilà pour le projet, maintenant on va passer à la réalisation. Et donc là on a aussi notre ligne de tramway hein, qui permet de rejoindre la zone de l'aéroport. Donc ici on avait un pont qui permet de passer, qui permettait de passer au-dessus de la voie ferrée. Et ben on va également le modifier dans cette vidéo. Donc bon, on aura toujours notre ligne de train de marchandises hein, qui passera par cette qui passera du coup par le tunnel, mais je ne trouve pas que c'est quelque chose de gênant. Voilà, le fait que la ligne de marchandises passe sur une zone comme ça en tunnel, puisque oui, du coup on a une ligne de marchandises hein, qui part d'un peu qui part d'ici exactement, voilà. Donc qui passe par la gare de Bordeaux, là qui passe par nos voies de RER et qui permet donc de rejoindre le triage ici de Nice pour livrer Nice en nourriture. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est que on va commencer par le côté de Brignoles. On va commencer par ce côté-là, voilà, ce sera. On va mieux s'y retrouver comme ça. Alors, on va continuer donc de supprimer. Ici, on peut totalement en fait hein, supprimer la voie telle qu'on l'a. Donc, tac. Ici, au niveau de. Oui, on va aussi supprimer ici. D'ailleurs, on peut voir que Brignoles a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi. Alors, on va prendre donc ici rail à 70 km/h, puisque la courbe était donc à 70. Et donc, on va donc mettre en électrique à 70. Hop. Et on va donc. Voilà. Faire en gros un truc comme ça qui descend en profondeur afin donc d'avoir un tunnel. Donc si pareil, vu que ça va être creux, on va pouvoir mettre un pont hein, ça permettra de relier les deux côtés de la ville plus facilement. Alors voilà, on descend, parfait. Je voulais en plus que le tunnel commence là, donc c'est nickel. Pour l'entrée du tunnel, écoute, on va mettre une entrée comme ceci hein, voilà, un truc comme ça, parfait. Hop. Donc on va mettre le deuxième rail. Et toi ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que tu continues de tourner. Et normalement, si je me suis pas trompé, on devrait pouvoir. Ah, il aurait peut-être fallu que je laisse un petit cran de ligne droite en plus.
Peut-être, peut-être. Parce que là, l'idée c'est que normalement on devait arriver à peu près pile à côté si on... Ah bah oui, sinon, non, ça marche, ça marche. Ok, nickel. Donc si on fait une courbe à 70, qu'on serre au max, voilà, on arrive ici, parfait. Hop, ici. Donc voilà, hein, l'idée. Donc là, pas forcément que la courbe soit jolie, mais hein, c'est juste pour monter, hein, pour prendre de la... Pas de la hauteur, mais voilà, pour qu'on puisse un petit peu monter la voie. Et donc ici, vous voyez, on avait l'aiguille juste à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler l'aiguille. On va la mettre plutôt... Enfin, plutôt... Manière de voir les choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre comme ça. Est-ce que si on mettrait quelque chose... Est-ce que... Non, au pire, on va pas faire comme ça. Est-ce que si on mettrait quelque chose comme ça le ferait? Je sais pas si ça rend bien ou non. Parce que bon, là, c'est sûr que du coup, à ce rythme de montée... Parce que bon, il faut pas se leurrer que quand même, là... Alors, hop, je vais vous montrer ici. Voilà, la voie, elle descend quand même... Vraiment bien fortement. Donc là, est-ce qu'à ce rythme de montée là, on est bon pour revenir ensuite? Quand même, ça revient assez brusquement là, je trouve, au niveau de... Au niveau de l'aiguille. Est-ce qu'on va essayer de tirer l'aiguille, voilà, au max comme ça? Là, je sais pas si ça a fait un truc moche ou non. Ça a peur d'avoir fait un truc moche. Voilà, si ça a un peu fait quand même quelque chose de moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire manuellement. Voilà, et là du coup, toi, hop, je te relie là. Parfait. Et donc là, ensuite, on va mettre la caténaire du bon côté. Hop. Et ensuite... Et bah, on sera bon. Donc, jusqu'ici. Là, pareil, hein, il faut qu'on change la caténaire de côté. Voilà. Ok, bon, bah, écoutez, on a un truc quand même qui est vraiment clean. Alors, donc, la première gare, on a dit. Donc, il faudrait la mettre bah, à peu près là au niveau de là où on est. Hein, donc, on va repasser les rails sur du plat. Donc les deux. Et on va mettre la gare. Alors les trains, je sais plus quelle longueur font mes trains de RER. Donc j'ai mis des UM. Ça fait 208 mètres. 208 mètres, ouais, il faut mettre du coup des quais de 240 mètres. Alors on va aller dans station. On va prendre les gares souterraines. Tac, on va attendre que ça charge. Ah bah limite. Ah oui, je sais quelle gare je vais mettre pour l'aéroport. Donc on va prendre du coup ça. Non, c'est pas celle-ci, gare souterraine, voilà, c'est celle-ci. Parfait. On prend ça. Donc la longueur. La longueur, on a dit qu'on était à un peu plus de 200 mètres, donc on va prendre bah, 240 mètres, on n'a pas trop le choix. Alors c'est vrai que la longueur fait peut-être un peu long. Enfin, c'est peut-être un peu long, hein, 240 mètres. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas réduire la taille de nos RER? Parce que, est-ce qu'un RER de une telle capacité? Non, c'est vraiment pas nécessaire. Donc, on va mettre peut-être que des US de MI 84. On va mettre que des US. Et comme ça, on va pouvoir raccourcir la longueur des quais et un petit peu gagner sur ça. Et si on met donc en US, ça fait un truc de 104 mètres. Donc, on peut faire un quai de 120 mètres. Et là, déjà. On va mieux s'en sortir. Donc, hop, 160, 120, s'il te plaît. Non, pas 100. Ah, c'est 100 ou 140. Ah bon, c'est 100 ou 140? On peut pas faire 120? Bon, bah, ce sera 140. Ce sera 140 au niveau de l'aéroport. Alors, ensuite, pour le style, écoutez, hein, peu importe. Hein. Ouais, on va même mettre un kick comme ça, ouais. Ok.
Et pour la taille des plateformes, on va dire qu'on sera bon. Alors, je sais plus du tout là par contre où arrivent mes rails. Ils arrivent ici. Donc, maintenant, faut essayer hein, de faire en sorte donc, que les deux se connectent. Hein. Donc, on va hop, essayer de voir mes rails à travers. Ah oui, ils sont vraiment là, mes rails. Ok. Donc, on va descendre la gare. Ah, là ça connecte. Est-ce que ça connecte comme il faut? Ah mais non, il faut que je mette déjà plateforme left, plateforme right. Et il faut que je mette rail bois. On va mettre Vmax. Bon, on peut mettre Vmax 140 hein, si ça fait plaisir à quelqu'un. Ok. Et là donc on descend. C'est quelle touche pour descendre déjà? Ok, donc là normalement on est bien relié. Alors je regarde quand même. Oui, on est bien relié. Donc là on a notre station. Ensuite on va prendre des rails donc à 100 km/h. Voilà, vitesse plutôt faible, mais on n'a pas besoin de plus. Ah, là on a l'usine. Et l'usine dirait qu'il faudrait encore. Voilà, écoutez. Donc là, on a un grand champ vide, donc on peut rouler tranquille. Donc ouais, en vrai, on est bien là. Ouais, je l'ai bien placé, parce que comme ça, ici, on fait une grande courbe. Donc là, on peut avancer. Limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par placer la gare suivante. Alors. La gare suivante, donc je pensais du coup à mettre cette gare là. Alors, cette gare là. Elle est assez complexe, hein, cette gare, on va pas se mentir. Donc, longueur des quais, ah bah 120 mètres, ça me va, c'est parfait. Ensuite, rail de tram, oui, il y aura des rails de tram ici. Titre station. Qu'est-ce que ça change? Standard. Caténaire, oui. Et on va tout mettre en standard. Et caténaire, oui. Et puis nombre de rails, bah 2, hein, ce sera suffisant. Ah, ou alors est-ce que je mets 4? Ouais, comme ça les trains de fret pourront doubler mes trains de voyageurs au niveau d'ici. Ok, et on va donc mettre. Alors, que je dise pas de bêtises hein, par rapport au positionnement des rails. Ok, les rails se positionnent comme ça. Donc, on va mettre la station bah, au niveau là de devant mon terminal ici. Ouais, on va faire ça. Hein. Comme ça, ensuite, on est bon. Donc, il faudrait un petit peu. De toute façon, là, le tram, on va le refaire. On va pas le laisser comme ça. On va vraiment refaire. Hein. Donc, on va juste laisser l'arrivée du tram là qui arrive par là. Ça, je suis ok avec ça. Mais après, je suis plus ok. Donc, on va casser là. On va casser là. On va casser là. On va casser toi, toi, toi. On va prendre toi. On va aussi casser toi, même si j'aimais bien le fait qu'il y ait une allée là, mais du coup on va la casser. Et alors ce qui serait vraiment top, ouais on va faire ça, vous allez voir. On va modifier un peu l'aéroport pour lui donner du coup une autre configuration. Alors j'appuie sur croix là, pourquoi le jeu s'est mis à bugger. Ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler le terminal, comme ça on va, enfin vous allez voir, c'est un peu compliqué à expliquer. Et comme ça, on pourra desservir directement les deux terminaux avec une seule station. Bon, alors pour ça, il faudrait que le jeu réponde. Donc là, ouais, je pense que peut-être on va juste se concentrer dans le RER. Enfin, on va juste se concentrer sur le RER dans cette vidéo. Et qu'on s'occupera plus de la partie tramway, bus, transport en commun dans la prochaine vidéo. Parce que là, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de lignes donc, à remettre en place. Donc voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que vous voyez, on va ici. Modifier l'aéroport. D'ailleurs, il y a la ligne 2 hein, que j'ai même pas remodifié le. Non, j'ai même pas remodifié le nom. Donc, on va faire ça, ça. Ouais, on va faire divers. Donc, un terminal là. Mmh.
Alors, ce qu'il faudrait. Non, alors du coup, on va modifier ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc le terminal, on va le mettre là. Bon, tant pis, il y aura plus cette idée avec les deux terminus, enfin les deux terminaux. Mais bon, l'aéroport sera bien quand même. Donc voilà, comme ça, on peut faire ça. Et là, devant, on va partir du principe hein, que donc là, devant, on va avoir devant notre aéroport direct ma ligne de tram. Quoique non, parce qu'après ma ligne de tram, le but c'était donc qu'elle vienne, vous voyez, faire la boucle à l'aéroport et qu'elle parte un peu là dans la ville pour venir faire en fait le terminus au niveau de ma deuxième gare ici. Que ma ligne de tram, donc elle vienne jusqu'ici. Parce que du coup là, il n'y a plus d'intérêt à ce qu'elle vienne jusqu'à l'aéroport. Donc ensuite qu'elle passe dans la ville et qu'elle retourne, vous voyez, qu'elle prenne par exemple cette rue là. Et qu'elle fasse terminus au niveau de cette station qu'on va modifier de toute façon. Parce que là, tout ça, on va être amené à le modifier. Touc, touc, touc. Donc oui, tout ça, on va être amené à le modifier. Bon, du coup, je ne sais plus vraiment comment mettre ça. Donc là, voilà, parce que l'idée serait été donc d'avoir toi, vous voyez, de vraiment coller entre les deux terminaux. Mais alors, est-ce que c'est possible? Si je mets genre un terminal là et toi je te mets là et du coup j'enlèverai toi. Non là ma station de train elle rentre pas. Ouais non c'est trop serré. Donc pas grave, on remet comme ça. Ouais, de toute façon l'aéroport est très bien comme ça. Alors on va mettre du coup ma station. On va la mettre du coup un peu en mode pif. Enfin pif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste décaler là en fait la rue. Et comme ça, on met ma station ici. Voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça me paraît pas mal. Ah oui, mais du coup là par contre pour aller... donc là, ouais, par contre, il va falloir que je relie d'une nouvelle manière. Mais bon, tant pis. On peut casser le tunnel. Hop là. Alors, le tunnel. Donc, on était sur du 100 km/h. Ah ouais, donc là, ouais, non, il faudrait quand même que je me connecte beaucoup plus. On va se connecter vraiment ici. Alors, je me trompe toujours entre bâtiment dans le côté voirie et bâtiment dans le côté train. Ouais, il faudrait qu'on fasse vraiment quelque chose comme ça. Et là, est-ce que le 100 km/h est atteignable? Ouais, c'est atteignable. C'est atteignable, mais du coup, là, visiblement, vous voyez, le jeu me dit qu'il faudrait que... Enfin, le jeu me dit, comme si le jeu me parlait. Mais visiblement, vous voyez, il faudrait que je redescende beaucoup plus. Enfin, du coup, là, ouais, visiblement, la station, avec ce mode-là, est vraiment très, très basse. Donc, écoutez, hein, pas grave, on va s'adapter. Ouais, ça fait vraiment une pente assez forte, quoi. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est directement à la sortie, hop, on se met en descente, donc à la vitesse de 100. Kilomètre-heure. 100 pour du souterrain, c'est largement suffisant. Je sais même pas si mes trains entre ces deux gares auront le temps d'atteindre cette vitesse de croisière. Là, j'ai peur que ça fasse vraiment une pente d'un coup trop élevée. Vous voyez, ça fait quand même un sacré bond. Ça fait un sacré bond. Je crois qu'on va réduire la vitesse. On va passer à 90 plutôt. Déjà, ce qu'il faudrait ici, c'est quand même avoir un mini morceau de ligne droite. Parce que là, il va y avoir mes deux trucs comme ça. Mes deux branches là à rassembler. Enfin, mes deux branches. Les deux quais d'à côté, il va falloir quand même les rassembler un jour ou l'autre. Enfin, les rassembler, les connecter quoi. Donc, même si on met, ouais, à 60. Là, hop, il faudrait essayer de connecter du coup
Voilà, il faudrait essayer d'avoir exactement le même angle pour le deuxième. Et là, de là, on se connecte comme on peut. Bon, c'est du souterrain, hein, donc c'est pas grave si c'est... Ouais, vous voyez, pente trop inclinée. Il y a vraiment quand même une descente de malade, hein. Ah, dites-vous que je descends au max et ça me dit encore pente trop inclinée. Donc c'est vraiment quand même que ça descend beaucoup. Et comme ça marcherait. Donc on va essayer comme ça. Bon, on verra ce que ça donne tout à l'heure en cab ride. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même assez difficile de se rendre compte. Ah, ou alors je peux aller en comme ça. Donc. Alors, désolé, hein, le jeu qui lag. Voilà, hop. Donc, vu de comme ça. Ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Et là, ensuite, on arrive en gare. Ok. Bon, au moins, l'entrée en gare ici est jolie. Et donc ensuite, on sort de tout ce bazar. Donc on va encore sortir, on va bah, à 90. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que là, pareil, on va mettre du plat pour les aiguillages, sinon c'est pas possible. Et puis de toute façon, on passe sous l'aéroport. Et ensuite, donc il faut remonter à la surface pour arriver ici en gare de Sénon. Alors ce qu'on va faire en gare de Sénon, pour gagner un peu de distance... C'est que là, mes quais font 240 mètres. Et vu qu'on va avoir des trains de 120 mètres, c'est plus utile. Donc 200. Hop, 160. Et on va un peu les réduire de ce côté-là. 120. Ouais, comme ça, on aura des quais qui vont aller juste à l'essentiel. Donc ouais, ça fait une petite gare de Sénon. Limite là, à Bordeaux, on a la place de mettre deux gares, hein, si on veut vraiment faire en mode RER. Vous voyez, si vraiment on veut faire un truc délire RER, on peut mettre une gare là, et on peut en caler une dans la courbe. Donc j'hésite à le faire. Du coup, j'hésite à faire ma proposition. Hein. Vous voyez, on peut en mettre vraiment une ici, hein, je vous dis, et puis... on est déjà quand même un peu loin, une là. Ouais, ça fait vraiment en mode RER métro. Moi, je pense que je serais pas... Enfin, je pense que ça serait pas mal, mais bon, je pense que... Je sais pas en fait ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais ouais, il y aurait quand même, je pense, un coup à jouer. Bon, on va garder cette distance, parce que si on regarde là, au niveau de Brignoles, hein, ça fait vraiment métro, quand même. Donc si on veut garder cette logique, on met une station là à l'entrée, là dans la courbe, vous voyez juste ici, on peut en mettre une. Bon, après c'est vrai que le problème c'est la courbe. Bon, c'est pas la question. Donc moi ma question c'est ici, on prend le rail à 90. Voilà, ce qu'on va faire c'est que là le passage à niveau qui est existant ici, on va le décaler ici. Bon, j'espère que, parce que je sais qu'il y a des lignes de bus hein, qui passent par ici, j'espère que ça ne va pas leur poser problème. Il y a quoi comme ligne de bus qui passe par là? Ça, c'est une ligne... Touk, touk, touk. Ouais, qui passe ici. Bah, elle passera un peu plus à l'extérieur. Voilà, elle arrivera comme ça. Là, là, là. Ouais, c'est bon. Ça le fait. De toute façon, on a dit qu'on s'occupait des transports dans la prochaine vidéo. Donc, faut juste pas oublier qu'ici, on a endommagé une ligne de bus. Et donc, là, on va faire construction de piste. Voilà, et on va faire une descente en enfer un peu plus jolie. Alors, touk touk touk, longueur, on va faire une longueur longue. Voilà, 198 mètres, on sera bien. Deux rails, rail standard, on va mettre rail bois. C'est où rail bois? On va garder rail standard, ce sera très très bien. Et puis la pente. Bon, on va garder comme ça. Ah si, on peut peut-être un peu toi te surélever là. Ouais, voilà. Donc oui, en fait, ça fait peut-être un peu trop long de 100 mètres. Donc peut-être on peut se permettre d'avoir quelque chose de bien pentu. Donc 102 mètres.
Ouais, voilà, par exemple. Par exemple, par exemple. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Toi... Non, il faut qu'on fasse... Toi, hop, et la construction de piste. Voilà, et donc là, maintenant, on peut relier tout ce cirque. Et ça donnerait quelque chose comme ça. Alors, je suis pas... On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Mais il y a quand même quelque chose qui va pas. Bon, on va plutôt mettre comme ça. Et vous voyez qu'en plus, là, on arrive quasi en face. Ah, c'est génial. Génial, génial. Mais du coup, ouais. Là, il faudrait qu'on soit plus donc comme ça. Ouais, comme ça, ce serait bon. Donc si on relie toi à toi, ouais, on monte un petit peu, hop, pour redescendre, ça fait quelque chose de pas trop moche. Là, c'est parfait. Et là, donc ensuite, par contre, il faut qu'on mette donc l'aiguille hein, à 60 comme on avait mis là-bas. Donc on va aussi la faire ici. Hop, donc toi, hop, pas grave, on te met à 60. C'est juste histoire là de mettre l'aiguille. Voilà, 59-60, c'est la même. Pareil ici. Hop, et ensuite. Ensuite, on reprend nos rails à 90. Et ça me dit pente trop inclinée. Ah, on a tant que ça à monter quand même. Dans ma tête, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas non plus énorme à monter. Hein. Enfin, je pensais pas qu'il y aurait autant à monter du coup. Donc là, c'est pas bon. Donc là, on s'est rendu compte que c'était pas bon. Donc on va modifier tout ça. On va aller dans construction de piste. On va prendre un truc encore moins long. 80 mètres. Voilà, 81 mètres. On va pas non plus le faire commencer ici. On va le faire, voilà, commencer par exemple ici. Ça fait un truc moche. Ça fait un truc pas ouf là. Ça fait un truc qui me plaît pas trop. Là au niveau de la texture, bof, hein. Et donc, si je continue de descendre au max avec une courbe à 90. Dans l'idée, on arrive à se relier. Hop. Voilà. Ok, et là on aurait donc quelque chose comme ça. Bon, du coup, on est bon pour la construction de... du souterrain. Voilà. On va directement mettre la signalisation. On va directement s'occuper de ça. Donc ici, donc les trains roulent à gauche, carré, carré. Ici, on va mettre un carré avec le ralentissement. Ensuite, on va se mettre des petits sémaphores. Voilà, on va mettre des signaux assez rapprochés. Donc là, hop, un sémaphore à la surface. Direct, là après le reste, hein, ils sont déjà placés, ok. Ensuite là, donc les carrés, on reprend. Carré toit, sauvegarde automatique. Et donc, on attend la fin de la sauvegarde automatique. Hein. Bon, on met les signaux et comme ça dans la prochaine vidéo, on pourra s'occuper en paix des transports. Donc là, carré. Et j'oublie pas hein, aussi la ligne d'avion qu'il faut que je mette en place, bien sûr. Carré, là. Le ralentissement. Tac, on va mettre un petit sémaphore entre les deux. Ici, sémaphore pour toi, sémaphore pour toi. Là, pareil, on va mettre
un à la sortie, un à l'entrée. Et ensuite, du coup, il y a toi. Alors, toi, du coup, là, il faut te mettre un carré. Et toi, t'as le carré ici. Ok. Et ensuite, le reste des signaux, c'est déjà positionné. Bon, alors, au moins, on est bon sur cette partie. Donc là, ouais, je mets pas encore hein, les stations et tout, parce que du coup, on va refaire la zone. Donc, je donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour refaire tout ce qui est transport en commun. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde, c'était Léo. À plus.